C'est juste là, la game du réveil. Personne n'est encore réveillé. Quoique, il y en a peut-être déjà dans le métro ou dans le bus ou. Ou déjà au travail. Merde, j'ai raté. Ah bah, j'ai raté le grand et j'ai eu une tire. Bah, c'est perdu. C'est perdu. La légendaire 3, oui. La légendaire Dory. Quoi? Mauvais jeu. Pipa-di-ta-ta. Di-ta-di-da-da. Da-di-da-di-da-da. Da-da-di-da-da. Di-da-di-da-da. Alors. Il m'est arrivé un truc de malade ce matin, j'étais dans le métro, il y a une femme, elle est montée et elle a dit bonjour en souriant. Impossible. Ça fait 8 ans que je suis à Paris, jamais vu ça quoi. J'y crois pas du tout en vrai. J'y crois pas du tout, c'est les Kreliana. C'est juste impossible en fait, hein, j'ai pas peur de le dire quoi. C'est juste absolument impossible. Comment va la Belgique, Kreliana? Ça c'est absolument inenvisageable quoi. J'ai jamais vu quelqu'un dire bonjour dans le métro quoi. Blue buff. Ça sent le game vex en fait hein. Sorry, not sorry. Ta ta ti ta ta. Ta ti ta ta ta. Je te jure personne n'a répondu et voilà. Ah ça c'est beaucoup plus crédible du coup. C'est très crédible ça. Vous avez bien dormi? Bah moi ça, franchement j'ai bien dormi. Je me suis réveillé un peu tôt, genre mais j'ai bien dormi. Tu parles de la température, tu veux dire? Moi je pré-push. Vas-y je pré-push. Même si en vrai on est mal parti pour les gangsters. Ah bah mascotte, bah c'est une game vex en vrai. Ah oh bah alors là putain la vache. J'en reviens pas, j'ai 4 mascottes déjà. Bon bah jouer avec ça. C'est l'heure et la prod, ça va. En vrai les couilles qu'il faut avoir pour dire bonjour en l'entendant dans le métro. Bah en vrai il faut pas avoir peur de se prendre des vents tu vois genre. Mais à partir du moment où t'as pas peur de te prendre des vents, c'est pas un problème quoi tu vois genre. Parce qu'il va rien t'arriver, tu vas juste prendre un vent de l'espace quoi. Mais voilà quoi, je veux dire c'est ok tu vois. Tita ti ta ta. Ta ta di ta ta. Ta di ta di ta ta. Ta ta di ta ta. Non, moi l'autre fois j'étais dans le métro. Et non, j'étais dans le bus l'autre fois. Et il y avait un mec qui est monté qui avait l'air complètement bourré. Et genre, il était en train d'emmerder une petite vieille, tu vois, genre. Mais en vrai. Le mec avait l'air vachement chelou, tu vois. Genre à tout moment, c'est le genre de mec qui te sort un couteau, tu vois. Genre. Donc en vrai, j'avoue que j'ai un peu honte, mais mon courage n'a pas été à la hauteur de mes ambitions. Non, par contre, il y a un mec qui l'a embrouillé et qui a commencé à dire qu'il allait lui péter la gueule s'il descendait pas. Donc j'ai vraiment remercié cette personne. Qui est beaucoup plus courageuse que moi. Parce que j'avais très envie d'y aller tu vois mais. Mais tu vois je reconnais ma je reconnais ma faiblesse lors des combats tu vois donc c'est vrai que. C'est le genre de truc tu vois où je pense que je pourrais intervenir tu vois. Mais genre en dernier recours quoi. En dernier recours globalement quoi. Courir c'est la meilleure défense. Non mais non, tu peux pas dire ça tu vois alors. Quand t'as une petite dame âgée qui se fait emmerder tu vois genre au bout d'un moment t'es obligé tu vois mais j'ai tempo. Mais il y a du monde dans le bus ça va tu vois. À un moment donné je me serais senti obligé d'y aller tu vois genre je sais que mais bon c'était vraiment genre en mode dernier recours tu vois genre j'ai pas envie d'aller me prendre un coup de couteau quoi tu vois. Mais bon. Mais sur le coup j'étais vraiment content que quelqu'un y aille pour le coup quoi. Pré-push. Pipa pipa pa. Pipa di ta ta. Ça se trouve la mamie elle était allemande. Ouais mais on n'embête pas les mamies même si elle est allemande. Putain je te jure.
Pas de reproche. T'es en train de dire que si elle est allemande, c'était moins grave? Ah, je sais pas. Je suis pas sûr, hein, en vrai. C'est les Ux. Je suis arrivé en avance à mon arrivée. Ton arrivée, c'est le travail, tu veux dire? Bon, je vais stuffer Vex et Alistar, je pense, à mon avis. En vrai, on va essayer d'entrer Morgana à Zap, je pense. Je suis arrivé en avance à mon RDV. Ah, ok, d'accord, ouais. Ok. Parce qu'arriver en avance à ton arrivée, on n'avait pas compris pour le coup. Mais là, là maintenant, c'est tout de suite beaucoup plus clair pour le coup. Bon, malheureusement, c'est pas une game gangster. Mais le plaisir est quand même présent, quoi, je veux dire. C'est quoi le stuff de Vex? Bah, c'est Blue Buff et après, c'est du stuff AP plutôt globalement. Là, si on peut lui mettre un spell crit, on sera vraiment très content pour le coup. Est-ce qu'il y a une Vex déjà? Bon, il n'y a pas de Vex. Tu vois, on pourrait lui mettre le spell crit ou l'archange. Après, c'est pas à nous de pick, malheureusement. Donc, il y a quand même moyen qu'il y ait des trucs qui sautent entre nous et. Entre nous et le pick, notamment cette Kaisa ou cette Vayne. Rigole bien, d'abord, attends, c'est cool. Bien sûr, bah, bien sûr. C'est important de rigoler. J'arrive, j'ai une seconde. Merde, j'aurais dû rentrer Kai'Sa du coup. Après, j'ai pas joué Vayne, c'est pareil en vrai au final. Touk! Oui, non, c'était Vayne qu'il fallait rentrer du coup là. Bon, c'est pas très grave en vrai. En tout cas, Rouen, pire ville de France, j'ai pas peur de le dire. Comment ça? Depuis quand? Salut, Navelil. Non, franchement, je suis sûr qu'il y a des villes qui sont pires. Hein. J'ai pas peur de le dire, hein, vraiment. Me fais pas jurer, mais. Je sais qu'il y en a qui sont pires, c'est force, c'est obligé quoi, tu vois. J'avoue que Kai'Sa c'était pas le meilleur truc à rentrer, peut-être qu'on va gagner. Non, on va perdre en vrai. Même si j'ai mascotte qui heal la Jinx. Prochaine ulti Lulu, c'est le décès total et radical. Non, mais je vois pas comment Rouen peut être la pire ville de France alors que Grenoble et Nantes existent en fait, hein, concrètement. Oh, ça dénonce là. Ça lâche des blazes là. Rouen dans le top 3 après Marseille et Nantes. Mais non, mais ça va pas, genre. Non. Non mais déjà s'il n'y a pas Grenoble dans le top, c'est que y a un truc qui cloche quoi, tu vois, alors. Non, mais je vous assure que j'ai vécu à Marseille et Marseille en vrai c'est vraiment pas dans mes villes préférées, hein. Pourtant j'adore Marseille et j'adore l'OM, tu vois. Donc en vrai mais si je suis objectif tu vois elle est clairement pas dans le top. Mais non. Non, je pense que non, après il y a d'autres villes, tu vois, qui ont l'air terribles en vrai, genre Tourcoing, tu vois. Tourcoing. T'es bien parce que t'adores l'OM. Mais non, justement, j'adore l'OM et je dis que c'est clairement pas dans les bonnes villes de France, mais c'est clairement pas dans les pires, quoi, tu vois, genre. Non. Genre Marseille, t'as des avantages qui sont insane, tu vois, genre. Qui place la ville de facto dans un bon tiers, tu vois, genre en vrai. Il y a énormément de défauts à la ville, mais genre le positionnement est insane, quoi, concrètement, quoi, genre. Pour le coup. Mon top 3 des meilleurs ou des pires? Non, mon top 3 des pires. Je crois que c'est Grenoble, Nantes, Grenoble, Nantes et je sais pas, en dernier. J'étais à Rennes une fois, je trouvais ça particulièrement nul. Mais j'aime beaucoup la Bretagne, du coup ça m'embête quand même de mettre Rennes du coup. Je mettrais Rennes ça a l'air à chier aussi. Ouais, moi je mettrais Roubaix moi. Roubaix franchement ça sonne comme étant bien naze en vrai pour le coup. Après j'avoue qu'Angers ils sont 20ème de Ligue 1 quoi. Non, Lyon c'est trop bien en vrai. Franchement Lyon tout est bien à part le club de foot en vrai. Sinon tout est super bien pour le coup. Il n'y a vraiment que le club de foot qui est nul en vrai. Sinon j'aime beaucoup Lyon.
Après, moi, de toute façon, je sais que je vais Paris en top 1 ville de France. Donc, mais je rappelle, Paris, j'avais fait un plan l'autre fois de Paris. Top 1 ville de France, je mets le 6ème, le 7ème et le 5ème arrondissement de Paris. Voilà. Ça fait à peu près la taille de Thonon-les-Bains, je pense. Globalement, de là où j'ai grandi. Donc je m'y retrouve totalement, quoi. Donc voilà, j'ai pas peur de le dire. C'est top 1 ville de France, quoi. Je pense qu'on peut le dire, quoi. C'est 100% top 1 ville de France. Après, c'est sûr que sur tout Paris, peut-être qu'on sort potentiellement du top 1, quoi. Mais sinon, c'est clairement top 1, quoi. On peut le dire, je pense. Hein. Bon, est-ce qu'on peut avoir une augmente de Vex, s'il vous plaît? Cité des poubelles, top 1 en France. De quoi c'est pareil, la cité des poubelles? Alors, j'ai vu qu'à Marseille, franchement, à Marseille, il y a plus de poubelles pas sorties qu'à Paris, quoi. Pas ramassées, pardon, excusez-moi. Qu'est-ce que je veux? Je ne sais pas. Je sais pas vous le dire et c'est regrettable. Le Ramus c'était pas si mal en vrai. Bon, je trouvais Vex 2 et Malphite 2. Bon, juste faire, on va se faire chier, on va juste faire ça du coup. Alors, Lyon, c'est des Parisiens ratés, j'ai pas peur de le dire. Non, mais Lyon, c'est des Parisiens, mais avec moins de défauts qu'à Paris quand même. Mais bon, mais voilà quoi, globalement. T'as demandé la vidéo de Valve. Non, promis, je le ferai pour le 7-9 qui sort dans 10 jours. Le 7-9 sort sur le PBE. Et je le ferai à ce moment-là. Promis. On testera comme ça. Je pense qu'on pourrait même tester sur le serveur test. Dans 10 jours sur le serveur test, ouais, à peu près. Non, même pas moins du coup maintenant. Dans 8 jours maintenant. On est le combien? Ouais, dans 8 jours exactement. Ah ouais, y'a beaucoup de gens qui jouent en double up en vrai. Hein. Genre, il faut pas. Il faut pas croire en vrai. Bon, j'ai Morgane à 2. En fait, j'ai trop de paires dans cette game, j'ai trop d'upgrade. Bon, c'est la game autoroute, hein, franchement là. C'est la première game de la journée, let's go l'autoroute. Hein. Let's go. Non, et en vrai. Genre, Nantes, je connais pas ultra bien non plus, tu vois. Juste, j'ai une mauvaise image de la ville. Mais Grenoble, je connais un peu, tu vois. Et je trouve ça vraiment terrible comme ville. Genre, déjà, je trouve que ça craint. Et en plus, genre, ça fait, c'est une cuvette. Donc, genre, t'as toute la pollution qui rentre dans la ville comme ça. Il fait giga chaud. Non, c'est vraiment atroce, quoi, tu vois. Ah, l'été à Grenoble, j'ai. Moi j'étais à la fac à Chambéry, du coup il m'arrivait régulièrement d'aller à Grenoble. J'ai vraiment pas accroché quoi. Même j'allais souvent jouer à Grenoble au basket quand je faisais du basket. On allait souvent jouer jusqu'à Grenoble. Et non. Dedge quoi. Non, mais moi, Lyon, je connais vachement bien aussi. J'aime beaucoup Lyon, moi. Je trouve ça vraiment très bien. La vraie question c'est est-ce qu'on va devoir laisser. Ah oui, bah oui, peut-être là. Bah, les PBE des nouveaux sets comme ça. Potentiellement, il va falloir laisser tourner le PC toute la nuit, potentiellement, si tu veux garder ta place. Hein. Parce que c'est très recherché les accès PBE au début. Il faudrait qu'on ait une tire pour faire Archange, c'est pas mal, non? Sinon, on pourrait faire Hoge aussi. Ouais, ça me plaît. Non, c'est pas une game underground. Enfin, ça aurait pu, mais bon. Encore une fois, je suis pas le seul à décider si c'est une game underground. Tu vois, il faut que Riot soit d'accord. Si Riot me donne aucun underground, c'est pas de ma faute, quoi, j'ai envie de dire, concrètement. Je pourrais presque faire Kalis aussi en vrai. Pour le coup. Bon, sinon, qu'est-ce que vous avez de beau pour. Oh, putain, il est en 5. C'est un sur Trust. Je sais pas. Qu'est-ce que vous avez prévu de beau cette semaine, le chat, sinon? Fun fact, il y a autant d'habitants sur l'avenue d'Italie à Paris que dans la Creuse.
En même temps, l'avenue d'Italie, elle est extrêmement longue. Et après, après, en vrai, ça dépend si tu prends en compte les rues adjacentes de l'avenue d'Italie. Parce que l'avenue d'Italie, en vrai, il y a beaucoup d'immeubles, mais... Sur les rues adjacentes, c'est, il y a énormément, c'est un peu dortoir, quoi, tu vois. Mais pas au sens négatif, tu vois, genre c'est pas des tours et tout, mais... C'est beaucoup d'appartements... autour de l'avenue d'Italie, c'est beaucoup d'appartements et au rez-de-chaussée des restos, quoi. Principalement des restos asiatiques, d'ailleurs. J'en ai foutu réunion de merde pour rien dire, scrutin de mort. Quel scrutin? Bonjour de la Creuse, bonjour Remzix. C'est un scrutin pour quoi? Vas-y, je parle avec Alice, fuck. Les mobilettes, c'est la dingue, en vrai. Mobilette. Ah, l'autocorrecteur. L'autocorrecteur, la pire invention de l'histoire. Non, ouais, c'est bien. En fait, l'autocorrecteur, c'est bien, mais il faut le dresser, quoi, tu vois. Genre. Il faut dresser le correcteur, en vrai. Genre, quand il s'habitue à ta façon de parler, ça devient pratique, je trouve, en fait. La crosse, c'est bien, mais pas pour les jeunes, c'est vite ennuyeux. Bon, en vrai, pour les adultes... Pour les adultes qui ont pas envie de s'ennuyer, c'est pas fou non plus, hein, je pense, hein, du coup. Concrètement, je vois pas pourquoi les adultes auraient eu envie de s'ennuyer. Bon, je garde les Malfites, hein, parce que j'en ai pas mal, mais bon. Gardons les Malfites. Los Malfitos del Fuegos. On veut garder le pike, c'est vrai que j'ai pas encore pike accessoirement. Et bah écoutez, c'est pas les items de l'année. Non, on peut faire une Sandfire. Ça c'est pas mal ça. Du coup, on stuff monsieur Halstar. Wallstars. On pourrait presque chill un fight comme j'ai perdu là, le dernier fight. On peut faire ça. A voir si on arrive à faire le level 3 ou pas. Concrètement. Run, run, get a run. On parle jamais de Bordeaux ici. Bordeaux, je sais pas. Moi j'ai une mauvaise image de Bordeaux aussi, hein, désolé. Désolé. Genre Bordeaux, j'ai une image vraiment ah, je sais pas une bonne image de Bordeaux. Genre j'y ai été, c'est ok, tu vois. Je sais pas, c'est pas une ville où j'ai envie de vivre, tu vois. Genre j'ai déjà été à Bordeaux deux fois. Les deux fois où j'y ai été, j'ai trouvé ça sympa, tu vois. Mais je sais pas, ça m'a pas donné envie d'y vivre, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça m'a pas du tout donné envie d'y vivre. Bordeaux, c'est un arrondissement de Paris. Ouais, je sais pas, ça va pas. Ouais. Je sais pas. Pourtant, je peux pas dire que c'était. Je peux pas dire que j'ai pas aimé, hein. C'est chouette, c'est joli, mais. Ça a pas su me donner envie, quoi. Bon, bah, Nunu, hein. Alors, je te rappelle que je suis en 5 mascottes, hein. Donc là, 3 rolls, le jeu va pas donner Nunu pour l'instant. Ah d'accord, très bien. Très bien. Très très bien. Bah c'est juste perdu en fait, hein. C'est juste FF là. Donc là, je suis en 5 mascottes, tous les rolls et pas de Nunu. Non mais allô. Non mais très bien. Très très bien. Non mais c'est bien. C'est juste la pire journée de l'année en fait, hein, j'ai pas peur de le dire. Du coup, il va cast quoi qu'il arrive. On peut le mettre derrière. Merde, du coup, il est à côté de Pike, fuck. Mettre le calice sur lui, je pense, au final, non. On s'est fait un peu niquer là, les amis. Hein. Comparé à Paris, mis à part Marseille, toutes les villes sont petites. Bah Paris c'est très petit, Paris en tout cas en termes de superficie, Paris c'est vraiment petit. Je pense que c'est une des capitales les plus petites d'Europe, je pense. C'est vraiment minuscule quoi. Après c'est sûr que par rapport aux autres villes de France c'est quand même relativement grand. Mais ça reste petit par rapport à Marseille par exemple. Hein.
Ah, mais du coup, c'est chiant ça pour faire ça comme ça. J'ai trouvé le jean, mais tellement facilement level 2. C'est incroyable en vrai. Comparé à Londres, c'est un arrondissement. Ah non, mais Paris, c'est un arrondissement de Londres en vrai. C'est clair quoi. C'est 100% ça quoi. Vraiment, mon fidèle il cast, quoi qu'il arrive, au bout de 8 secondes et il peut crit. Faudrait que j'ai une spat mascotte à donner à Fidèle. Oh, il est triste le Fidèle, au secours quoi. Ça veut dire que j'aurais pu avoir Nunu, mon dieu quoi. Non mais ça abuse, en fait c'est vraiment, enfin j'aurais dû avoir Nunu quoi, c'est fou de pas avoir Nunu même je dirais. Allez Jean, un coup, bim, bien joué. Londres c'est immense. Bah Londres c'est grand, je me demande si c'est pas la... Je pense que la plus grande capitale européenne c'est Moscou je pense. À mon avis. Oui bah il y a que 7 immenses en Angleterre, oui, c'est vrai. Bah fallait bien qu'ils se démarquent, hein. Ils ont all-in tu vois. Ils pouvaient pas all-in sur leur gastronomie. Donc ils ont all-in sur la taille de la capitale quoi. Moi je suis plutôt partant pour un... Je ne sais pas. Je me suis chauffé mais je ne sais pas. Si ouais, un Last Whisper sur Jean, allez. Alors... Comparé à Los Angeles, Londres c'est un poil de... C'est grand Los Angeles en superficie? En vrai, je... après les villes américaines elles sont tellement différentes des nôtres en termes de superficie, c'est incroyable quoi. Forcément ça fait une grosse diff hein, tout de suite. Hein. Ah je peux faire G... Ah j'ai Hoge aussi non. Ouais c'est bien Hoge. Vas-y. Ça me paraît bien comme ça, moi je signe. Moscou en Europe, c'est déjà au bord de l'Europe. Ah, Moscou c'est en Europe, alors là, on n'est pas commencé. Hein. Moscou c'est complètement en Europe. Tout comme Istanbul, c'est aussi en Europe. Alors cette nouvelle semaine de cambriolage. Bah là ça va cambrioler hein, cette semaine. C'est la dernière semaine de cambriolage d'ailleurs. Après on va jouer enfin au nouveau set après. Mais bon du coup là on n'a pas eu du tout de gangster en début de partie, du coup on a changé le plan de jeu quoi. Paris, voilà, Paris ça fait 100 km carré. Non mais 100 km carré. Moscou 2500, attends, ça me paraît énorme en vrai. Ouais c'est ça à peu près hein. Putain la vache. Je pense pas que c'était autant de différence quoi. Un vote chat, non c'est ça. Non, incroyable. C'est énorme. J'aimerais bien roll pour le Alistar et si en passant je peux choper des malfites. Après c'est pas du tout le moment de roll, il y a le PVE juste après. Pourquoi j'y roll maintenant? Du coup je change mon plan, on va stuff Malphite hein, et on va le chercher son level. Dans ce choc là voilà on roll aussi pour Vex bien sûr. Bon week-end malgré la défaite de l'OM. Ah j'ai envie de te dire du moins que Lens gagne tous ses matchs. Pour l'instant j'ai décidé de pas être déçu de la défaite de l'OM. Je serais déçu que si Lens perd un match. Pour l'instant j'ai décidé de voilà de pas être déçu du coup. J'ai décidé de garder le sourire pour l'instant. Pékin ça fait que 16 km2, c'est vrai? Non mais parce que je crois qu'il y a Pékin et Beijing je crois en fait hein. Ah non pardon, ok d'accord, ouais, 16 000, ok pardon, excuse-moi. Ok non. Ok non, je pense je me suis dit peut-être qu'il y avait un imbroglio tu vois en mode il y a Pékin, le centre ça s'appelle Pékin mais Beijing c'est juste la traduction en fait de toute façon. Ok non je comprenais pas pardon, ouais. Je me suis dit qu'il y avait une histoire comme ça tu vois mais non ok. Très bien j'ai compris. C'est bon c'est plus clair. Salut Gambit, bonjour. Alors mais... Bah Tokyo ça doit être sacrément grand aussi Tokyo non? Après Tokyo ils sont surtout montés en hauteur en fait. Si je dis pas de bêtises hein. Je sais pas s'il y a une superficie... Ah c'est peut-être plus grand qu'encore Tokyo non? En termes de superficie. Enfin en fait c'est lequel finit la deuxième place. A partir du moment où les autres ils gagnent c'était déjà finito de toute façon donc... En vrai... shit happens hein, comme on dit.
J'ai pas d'item à slam, bah c'est super ça. Super en vrai. Bon, j'ai le Malphite, ça va tenir là, ça va tanker je pense ça. Ça va tanker comme never le Malphite. Ok, bon bah on reste comme ça, on avance hein. Bon j'ai chopé un Nulu. Mais ouais non le match était naze mais bon, c'est pas grave. J'ai l'habitude d'être déçu donc je suis habitué les amis. Frustration est totale. Je suis sûr les plus grandes villes du monde en superficie. Oui donc Tokyo ça fait 2000 km², c'est petit hein. Ah non de 20 000 pardon putain. Non 2K, 2000 oui putain je suis perdu, oh là là. Mais c'est le matin après hein, soyez indulgents hein. C'est dur le matin vous savez. En plus c'est lundi matin quand même. C'est lundi matin, c'est quand même le pire matin de la semaine. Alors nous cette semaine au bureau, on fait ménage de printemps. Plus bah on réaménage un peu les bureaux. Bon attends je vais roll l'Avex hein, du coup je suis... Oh putain mais allô. Je suis level 7, attends je rappelle hein, si vous arrivez. Pas level 8. Mais là il manque une Vex et je la nico et nique sa mère quoi. Évidemment je vais jamais la trouver et ça va être... Ah si je... De toute façon en vrai ça tombe comme ça, y'a pas besoin d'aller 8 en soi. Hein. On va quand même aller 8 hein, bien sûr. Je dis cette semaine on déménage les bureaux dans les bureaux. Étant donné que... Étant donné que voilà on commence à être vraiment plus nombreux maintenant chez Arma. Bah c'est vrai que le comment dire l'aménagement des bureaux tel qu'il était jusque là bah il était pas adapté. Là on commence à être régulièrement 8 au bureau. Donc en vrai 8 ça comme voilà. Donc là on va changer un peu le setup des bureaux et on va faire le ménage de printemps pour surtout trier parce que maintenant on a aussi beaucoup de matos à stocker. Il y a deux choses maintenant, on est plus nombreux. Et en plus, bah, on a maintenant qu'on fait vraiment de l'événementiel à fond, on a investi dans beaucoup de matériel. Par exemple, des PS5, des écrans. Tu vois, par exemple, maintenant on a genre 12 PS5. On doit avoir, je pense qu'on doit avoir 8 ou 9 Switch. On a 6 casques VR. On a 30 écrans. On a des télés 95 pouces. Donc, voilà, on a énormément de matos. Ce qui fait qu'il faut le stocker et donc on va réaménager un peu ça. Donc c'est le gros travail de la semaine quoi. Tous les chiffres désormais. On est pas mal en vrai hein. Ok. Bon, c'est pas mal, hein. Très bon setup. Ça sent le top 1. Et oui, pour ceux qui n'ont pas été là hier, je vous rappelle que j'ai annoncé le nouveau sponsor bah, de moi. Parce que je suis devenu ambassadeur de la marque Nextory, qui est la seule application en France à faire à la fois du livre audio, du e-book, de la BD, du podcast, du magazine, de la presse. Vous avez vu, j'ai bien appris mon texte. Ça, c'était facile. Et donc, vous pouvez tester. En plus, quand vous créez un compte et que vous testez les 45 jours d'essai gratuits, ben, ça me soutient directement. Voilà, si vous voyez ce que je veux dire. Donc vous pouvez, c'est sans engagement. Donc si vous voulez tester pour voilà, écouter des livres audio ou pour pouvoir lire dans le métro, etc. ou chez vous tout simplement, vous pouvez faire point d'exclamation Nextory sur le chat et vous créer un compte gratuitement et donc avoir 45 jours d'essai gratuit sans engagement. Et après voilà, si vous voulez vous désabonner parce que vous l'avez fait pour me soutenir ou parce que vous ne l'utilisez pas assez, ou alors si vous voulez rester abonné parce que vous avez aimé, bah, vous pouvez aussi. Voilà. C'est gratuit et c'est vachement bien si vous le faites quoi. Alors on a regardé, il n'y a pas le temps des tempêtes, mais au final est-ce que c'est pas bénéfique, est-ce que c'est pas marque de qualité au final? Est-ce que c'est pas un gage de qualité? Mais oui du coup on peut dire que je suis un concurrent à Sarko, on peut le dire, absolument. On peut le dire absolument. Ce qui me place quand même vraiment très haut dans la hiérarchie des influenceurs. Voilà. Ça c'est beau ça.
La 5G lance des rayons. Merci beaucoup, Nash. Oui ou non? Nash 4238. Nash. Comment va la trichelle, le fils offensif des voyous? Arrêtez, ouais, je suis un voyou, moi. Pourquoi vous voulez me faire passer pour un faux voyou? Rah, terrible, quoi. Alors, si vous voulez voir leur catalogue, vous pouvez aller voir directement sur leur site, hein, les amis. Hein. Merci beaucoup, Aubrey Mini 24. Voilà. Tout ce que je dis, c'est que si vous prenez l'essai gratuit, prenez-le avec mon lien. De 1, parce que ça fait 45 jours d'essai gratuit au lieu de 14. Et de 2, parce que ça me permet derrière de pouvoir vivre de ma passion. Mais vous pouvez aller voir le catalogue, il y a plein de trucs en vrai. Il y a plus de 250 000 références. Ta passion, c'est les X, absolument. Je vais pouvoir me lancer bientôt. Voilà. Avec mon... Est-ce que je vous ai... Oui, je vous ai déjà dit mon nom d'acteur. Si j'avais été acteur porno dans une autre vie, mon pseudo d'acteur porno, ça aurait été David Moi les boules. Voilà. Vas-y, David. Non, non, David Moi les boules. C'est tout en finesse. C'est important, la finesse. Enfin, voilà, n'hésitez pas du coup à vous abonner, évidemment, bien sûr. Pour du contenu inventif. J'ai explosé de rire comme un goliot dans le bus. Bah, je suis content, hein. C'est déjà pas mal, quoi. C'est l'heure de s'agiter. Déjà pas mal, quoi. Faire rire une personne, c'est déjà ok, quoi. Déjà une performance en soi, quoi. Bon, ma foi. On va push après. On essaiera d'avoir un maximum de thunes pour trouver Nunu 2, voire éventuellement un vieux Fiddle 2. Peut-être le badge. Mais avec, ça est quand même vénère, là. Après, il manque peut-être un peu la paix, mais comme il y a un calice, ça va. Fiddle mascotte m'a bien fait rire. Fiddle mascotte. Ah, le Fiddle mascotte. Le fidèle mascotte ou le fidèle mecha? C'est, je vois pas le fidèle mascotte, le fidèle mecha je vois, mais... Ah, celui-là, pardon, parce qu'il y a eu un fidèle mecha qui a eu il y a pas longtemps aussi, qui était absolument stratosphérique. Ta ta ti ta ta. Ta ti ta ta. Ti ta ti ta ta. Bon bah, pire relan. On va juste rentrer 2 et Gilles, hein. J'ai flop là. Ouais, bah ça flop là. Là, c'est vraiment un énorme flop là pour le coup. Le flop est total, quoi. C'est Jérémy Nerd. Alors, la Leona Blue Buff Titan m'a one shot mon Malphite. Et surtout qu'il a un Fiddle 2 qui attend pour venir aussi me marave, hein, comme on dit chez les jeunes. Après, ma Vex, elle se défend vraiment bien, mais bon. Il y a trop en face là, il y a encore un Ezreal 2. Bon, je meurs pas. Est-ce qu'on est top 2? On n'est pas top 2. Feels bad. Feels so fucking bad. On voit les Pikes, j'aurais pas Pike 3 là. Oh, il y a Fiddle 2 MDR. MDR RRR. RRR. Alors lui il vient du diable mauvais, hein. Bon, ça va quand même plus le merde. Alors j'appelle qu'avec l'augmente au bout de 8 secondes il cast. Voilà. Donc il faut tenir 8 secondes et aller à Jacques Taest. J'ai bougé pour éviter le Shroud. Je sais pas s'il va bouger aussi, mais. Bon, on le bat lui, je pense, hein. On le bat clairement. Mais oui, est-ce qu'à votre avis. Si demain je mets en stream top 1 avec David Moi les boules, est-ce qu'à votre avis ça passe sur la charte Twitch? Parce qu'au final, c'est un pseudonyme, tu vois, genre. Non mais écrit comme ça, David, regardez sur le chat. Ça passe comme ça, non? Non, ça passe de ouf, on est d'accord. Genre, c'est pas hors charte. Bon, peut-être Rename la chaîne, mais oui.
Ah, le niveau de beaufrie de ce streamer est stratosphérique, je suis désolé. Faut faire subir ça, quoi. Bon, Archange. Eh bien écoutez, ce sera le titre du stream de demain, les amis. Voilà. Parce qu'il faut pas brider la créativité des streamers, je pense. Ta da ta di ta ta. Top 2 inespéré. Wouah, j'irai pas jusque là quand même. Mais c'est vrai que comme au début on a tenté une petite game gangster qui n'a pas abouti malheureusement. Il a fallu rebondir quoi. Il a fallu rebondir. Je mets de la fronde pour pas que la Léona focus direct sur le Malphite, fuck. Et Zephyr Vex. Aïe aïe aïe. Oh, ça sent la bite là. Ça sent la bite. Il faudrait pas que le Malphite se fasse direct one shot par Léona. Mais le problème, voilà, c'est comme Léona le one shot littéralement. Littéralement de manière latérale et littérale. Bon, mon fidèle a fait un super ulti de zinzin de l'espace. Ok, le fidèle il a fait une dinguerie là en vrai. Est-ce que ça va suffire? Ils sont tous à 2 HP dans la team adverse, mais je compte beaucoup sur Vex là. C'est juste une victoire, je reconnais ça. Par contre, il n'y a pas l'étal, je pense. Il doit être à 1. Run, run, get a run. Ouais, il était un champion de la mort. I had a run. Bonjour, Perfect Pizza Napo. Alors là, je tiens à dire tout de suite que la pizza parfaite napolitaine, de toute façon, la seule pizza qui compte, tout le reste ne sont que des villes usurpatrices. La seule pizza qui compte, c'est bien évidemment une pizza donc avec une belle pâte bien fine, avec une base tomate, avec une belle couche de mozzarella, et enfin une belle burrata posée dessus. Avec un petit peu, un petit filet d'huile d'olive. Voilà, tout le reste n'est que tromperie les amis, j'ai pas peur de le dire quoi. Tout le reste n'est que tromperie. Il voulait faire le Malphite mais il voulait faire le Nunu, ouais, c'est pas mal pour nous, ah, on est bien là, ah, là c'est mieux là. Ah là c'est beaucoup mieux là. Voilà, tout le reste n'existe, tous les épisodes n'existent pas, j'ai pas peur de le dire. Voilà, son fidèle a casté direct. Ok, mon fidèle il est, mon fidèle il a fait un ulti de zinzin. Oh, ça va être dur ce coup-ci, ça a l'air dur, ça a l'air très dur là ce coup-ci. Hein. Voilà, Léona, c'est vraiment de la saloperie. Allez, qu'est-ce que tu prends le fidèle? Qu'est-ce que tu prends le... Allez, 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 Vex. Allez, elle se heal, elle se heal. Oh là là, Vex diff. Oh, c'est juste une victoire. C'est juste une victoire en fait. C'est juste un top 1. Santé. Voilà. Pour moi, une pizza, s'il y a plus de 3 ingrédients dessus. Non, il y a 4. Une pizza où il y a plus de 4 ingrédients, c'est déjà une mauvaise pizza pour moi.